Eh bien, nous voici dans les réserves du laboratoire HNHP, qui est un laboratoire de l'Institut de Perpignan, du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et qui étudie l'homme dans son environnement sur 450 000 ans. Alors, c'est une très belle illustration, en fait, hein, de l'étude du comportement de l'homme face à des problématiques pour lesquelles il est obligé de croiser ses compétences acquises pour résoudre des problèmes complexes. Alors, un exemple très simple, hein, pour faire bouillir de l'eau avec du feu, comme c'est incompatible, il a été amené à utiliser, par exemple, des galets chauffés au feu, et en les plaçant de manière itérative dans l'eau, il a réussi à faire bouillir de l'eau. Un autre exemple, pour utiliser des combustibles rapides comme la paille, pour des cuissons longues, eh bien, il a été amené à placer des roches dans les foyers pour augmenter donc les durées de cuisson. Alors aujourd'hui, bah, la transition énergétique qu'on doit opérer, c'est la même chose, hein. On ne peut pas utiliser une seule énergie renouvelable. Il est absolument indispensable d'utiliser le bouquet d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle un mix énergétique, et de compléter donc ces différentes ressources par d'autres technologies comme le stockage de l'énergie. Donc on est totalement dans la transversalité de technologies et de compétences, et c'est l'objet donc eh bien, de toutes ces études. Je vais profiter de ce lieu pour observer les millions de pièces qui sont à notre disposition.